Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne jeuxstratégie.com et on va reprendre sans attendre le let's play découverte d'Endless Space 2. C'est parti, je passe le tour, on est qu'au 15e tour, je suis déjà à 4e épisode je crois. J'avance pas beaucoup, je discute beaucoup, je découvre le jeu, c'est le but, c'est de la découverte. Toi tu vas venir là, hein. C'est là que je t'avais dit de venir. Voilà, on va faire finir le tour, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Backstrike, Spine 6, curiosité atmosphérique. D'accord. Ah, peut-être pour ça, il aurait peut-être fallu que je mette un héros en. Ok, nous avons un appareil qui n'est pas si vite. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait peut-être changer. Comment dire? La couleur du texte. Je trouve parfois le blanc et pas facilement. On arrive à du mal à lire le blanc sur certains fonds. Ça serait un truc à changer, ça. Sinon, j'avais comme message, oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais normalement, de mettre un héros à la tête d'une flotte, est-ce que, oui, il doit y avoir des choses pour les curiosités. J'y ai pas pensé du tout. Et en plus, ils ont un propre vaisseau qui peut me permettre d'explorer. J'ai pas pensé à l'utiliser. Drop, name of ship. Donc qu'est-ce qu'il a comme compétence, un skill qui me dit que. Ok, ça doit être ça. Donc il a deux points de mouvement, deux visions, deux free mouvements de vitesse sur le ship. Ok, donc bon là pour le moment je l'utilise que en tant que gouverneur, mais c'est chose à penser. C'est long à faire les vaisseaux en début de partie. Toi, ce que je veux que tu fasses, c'est que là, est-ce que je peux. Oh, je suis pas chez moi, je pourrais coloniser une planète dans le secteur ennemi. Medium Terran, c'est la planète de source, origine de la faction. Mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que toi, tu vas me lancer une sonde par là pour découvrir. Je pourrais en lancer une autre, tiens. Non, on va dire non. Tu vas venir là et tu vas en lancer une autre par là-haut. T'as un autre vaisseau, je crois, qui est là. Ah, il est arrivé. Très bien. Donc, bah, tu vas me faire une deuxième sonde, mais vers le centre de la galaxie, on va dire, par là. Et tu vas revenir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Population gagnée sur Ugalo. Ah, les Arochem qui ont évolué, donc eux aussi. Ok. On voit qui c'est, d'accord. Les populations gagnées pour les Luméris. Donc on gagne de la pop, c'est très bien. J'aimerais bien produire plus. Plus rapidement. Il faut deux tours, ok. Les planètes colonisables sont ici. Celles qui m'intéressent. Y a rien, il y en a une ici mais elle est un peu loin si je dois venir la défendre. Voilà. Curiosité compte. Ok, on peut voir là. J'espère que j'ai assez de points. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir. Deux monomolies, 5 productions de ressources. Et je n'ai pas assez de probes, donc logiquement je devrais en avoir une dans pas longtemps. Ah, on vient de découvrir. Peut-être un nouveau système. Attendez, je vais faire un petit branchement. Et je suis de retour. Je suis de retour. Allez-y. Est-ce que j'ai toujours pas la probe? Probe stock de tour, ouais, c'est ça. J'ai un peu trop utilisé au début. Hein. Bon, c'est normal, je découvrais. Le jeu, on va passer le tour, on va pas tarder à voir la xénobiologie, je pourrais tenter d'assimiler cette faction. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons découvert la planète Kyros. Pre-Dust Endless, très bien. New Mineral Faction découvrir l'Epistis. L'Epistis, d'accord. Pour le moment, je ne peux rien faire, inconnu, si on devait voir. Selfless, d'accord. Nous avons découvert l'académie. Alors, oula, mais il y a trop de choses là. Rumeur sur l'académie, objectif.
Ah bah j'ai un échec parce que j'ai dû découvrir l'académie avant d'avoir fait l'objectif qui était celui-ci. Bon, ok. Nous voilà. Ah, j'ai découvert Scorpius. Avec Tyros, c'est tout style to be connu par un père de place et unique. Ok. Scorpius, très bien. Scorpius 3. Pour le moment que tu... Il n'y a pas... Je regarde ça, la création de la partie, si on peut augmenter le nombre de planètes ou éléments dans les systèmes, parce que là, vous pouvez voir, c'est 3 planètes grand maximum par système. Donc là, on doit avoir Xacor. Qu'est-ce qu'il y a, Xacor? Une planète terrain de coloniser. Ok. Et une large lave. C'est la première, je crois, qu'on recouvre. Donc, ça doit être celle-ci qui doit être... Celle qui a l'académie, je pense. C'est d'être celle-là. Hop. Épistis, non. Et donc, on a découvert des factions mineures. Je peux créer et déclarer la guerre si je veux, mais ça m'intéresse pas. Dans un tour, j'aurai fini la xénobiologie. Donc, on fera ce qu'il y a à faire là. Oui, donne. Ok. Donc là, il me reste peut-être des choses à découvrir ou pas? Je ne pense pas, j'ai l'impression que tout a été découvert. Oui, c'est bloqué surtout parce que je suis dans un système ennemi où j'ai pas. Retire 2 points d'expédition, j'en ai un sur deux. Ah là, c'est bien écrit là. Donc on va peut-être attendre, on va voir ce que ça donne. On va attendre un tour. Sur ma planète là, où j'en suis de Cerebral Reality. Qu'est-ce qui permet donc? Pas mal, 3 tours. Et toi, tu commences à vouloir aller te combattre là, ce serait bien que tu perdes tes vaisseaux. Donc toi, t'as pas de propre pour le moment. Donc on va encore attendre un tour. On va voir cette petite xénobiologie qui va te dépasser d'arriver. Et que le temps passe vite. Le pouvoir de l'académie a augmenté l'héros qui peut. Ok, je peux recruter un nouvel héros. Ce qu'on va faire tout de suite. C'est pas le bon, c'est lui. Donc logiquement, si j'ai compris, académie. Ok, si je colonise Xacor, je pourrais voir tous les héros dans la galaxie. Très bien. Héros débloqué 9%. Ah ok. Ah, j'en suis loin, hein. 9%, ça c'est quoi les reclasses probabilité, très bien. Et on l'augmente comment ça? D'accord, je pensais qu'on pouvait débloquer et avoir un nouvel héros, mais non, ce n'est pas le cas. Par contre, c'est lui qui est passé level 3, j'ai l'impression. Et donc j'ai 2 points de skill non utilisés, j'ai pas fait attention. Alors on va faire ça, j'aimerais bien augmenter. Et ça. On va gagner, vraiment faire un gouverneur. Appliquer. Tac tac tac. Ah mince, ça avait pas marché quand j'ai pris la recherche. Oh, bravo. J'avais pourtant validé, j'ai souvenir. Bon, c'est pas gênant, c'est pas grave. Prochain point, je prendrai dans la recherche. C'est quand même dans pas mal longtemps. Construction complète. Ok, premier vaisseau de combat. Donc le brig. Voilà, qui est ici. Ils ont combien de pouvoir power? C'est 12. Et celui-ci, il est à 36,58. 16. Il me reste, il faut 4 tours, on va attendre 4 tours. Et on va partir dans une nouvelle recherche. Donc là, logiquement, en fait, j'ai débloqué les supports modules de l'ère 1, donc il va falloir que j'aille voir ce que ça donne. Ah bah, on va faire ça. Je vais enfin découvrir ce qu'il fallait pour l'exploration. Je comprends un peu, je commence à comprendre ce que veut dire les différentes icônes. Donc ça, c'est les images sur la technologie, veut dire soit c'est des bâtiments, on comprend tout de suite si c'est des modules et tout ça. Avec le temps, on va comprendre. Donc là, on va pouvoir normalement. Est-ce que je peux?
Mais non, j'ai pas la technologie, il faut attendre 6 tours. Eh ben, on va attendre 6 tours. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas partir là. Voilà. Toi, tu vas patienter. On va te mettre en mode dodo. Toi. Alors, relation doit être à 100. Donc, on va faire. On va payer pour augmenter les relations. Ah, quand même. Je perds moins de par tour. On a l'argent ici. Très bien. Ah, faut être à 100. Donc, il faut attendre. On va attendre un petit moment. On va faire. Et avec eux. First contact. 10 points, 19 points d'influence. Moins 2 par tour. Très bien. Ah, ça coûte cher hein, d'augmenter les relations avec ces factions. Il faut être à 100 pour pouvoir l'assimiler. J'aurais pas dû prendre cet objectif maintenant que je sais sur la mission que j'ai eue tout à l'heure. Fin du tour. Voilà, toi t'en as un. Détecter un ennemi. Le seul convoi à détecter un ennemi est ready for action. Sur location. Les scientifiques partis, maintenant populaire. Ok, qui sera représenté pour les prochaines élections. Ok, ah oui, comme je l'ai mis en. Il est à moi celui-ci. Et nous avons découvert de l'hyperium. Ok. Nouvel élément, event. Clever fake. Analyse la planète. Non, la planète. Soit je perds 10 de recherche pendant 10 tours et j'augmente les pouvoirs politiques des scientifiques, soit je ne fais rien. Je vais ignorer, j'ai pas envie de perdre. On va voir ce qui se passe. Quelles sont les conséquences de nos actes. Donc toi, tu peux rien faire de plus. Tu vas venir là. Toi aussi. Et on va. Accélérer le passage de tour. Ah, élection. Sélectionnons le parti que nous voulons voir gagner. J'aime beaucoup celui-ci. Et les scientifiques donnent quoi? Curiosité, ok. Trading, dust building, pacific hero recruitment. Et scientifiques, bon, c'est le même principe, mais avec des galaxies. Officiel support, problème de small boost. Je peux faire ni l'un ou l'autre. On va voir ce que ça donne. Allez, scientifique, les lois scientifiques, c'est quoi? Ok, plus 1 de propre, très bien. Il y a une loi qui coûte beaucoup moins cher les coûts des bâtiments d'amélioration de système, moins 10 de recherche dans le système, et Eureka Act, plus 50% sur le système. Ok. Super taxe, plus 50, broad, moderate. Je pourrais passer une nouvelle loi, tiens, pour augmenter mes revenus. Ce qu'on va faire. On va faire. Bon, on va déjà faire ça. Les votes. Vers un système de représentants dans ce système. Donc là, on voit les représentants de chaque système. Très bien. Bon, pour le moment, ça va être les scientifiques qui vont gagner, j'ai l'impression. Next System, 6 représentants. Ok, on voit, c'est marrant, c'est sympa comme c'est fait. Donc ça c'est. Ah ok, et Next Tape. On a débloqué deux nouvelles lois, parce qu'il y a quand même une puissance modérée pour les scientifiques. Donc j'ai l'impression qu'on est. Ouais. Population Affinity. Isho. J'ai des. Oula, Caravelle, où est-ce que tu es? J'ai les Isho qui m'attaquent. Retraite. J'ai les Isho qui m'ont attaqué ici, d'accord. De toute façon, j'avais prévu de me déplacer. Ce que je voulais voir, oui. J'ai donc. Une population de Isho qui a rejoint ma planète. Alors celle-là, elle est pas mal. Je l'avais
pas vu que ça pouvait arriver. Comment cela se fait? À cause de la zone d'influence qui est proche, peut-être. Par contre, on va augmenter encore les relations. Ça augmente de combien? De 20 points. On va garder, on fera ça dans 2 tours. C'est 54 de revenus pour le moment, c'est pas mal. Toi, tu vas patienter. On a une flotte de 2. Au cas où, on peut peut-être aller déjà combattre. Hein. J'ai une petite flotte assez. On va pas utiliser le vaisseau d'exploration. On va pas faire de bêtises. On va lui dire 2 slips. Et pareil. Dans un tour, j'irai combattre et comme ça on pourra terminer, enfin voir un épisode de combat. Division Range, ok, c'est la fin d'un event. Oui, c'est ça que je voulais voir, les politiques. J'ai pas de héros qui est modéré. J'ai 8 représentants. 63 sont pacifistes. D'accord, oui, dès que je découvre certaines choses. Par contre, je peux voter une loi. Je vais peut-être faire ça. 625, ah oui, c'est pas donné quand même les lois. Ouais. Donc on va rien voter. Parce que je veux garder les points pour assimiler la faction. Donc toi, tu vas rester là pour le moment. Donc là, on n'a rien trouvé. J'ai pas trouvé de nouveau système. Par contre, je sais qu'on peut rejoindre par là en voyageant quand on aura la technologie adéquate. Tu vas patienter aussi. Fin du tour. Et j'aurai ma flotte prête au combat. Nouvel event. Alors, Call of Plus Mine, a Spaceman. Appelle un homme de l'espace, un homme de l'espace. Soit on ignore, soit on change. Une société à la classe. Ok, donc soit je gagne moins 10 sur le système de l'Empire, soit moins 15. On va prendre ça. Donc là, on a donc créé une flotte. On va faire ça plus ça. Voilà. Et on va les envoyer là. Et au prochain tour, on va pouvoir enfin découvrir à quoi ressemblent les combats sur cet Endless Space. Alors, nouvelle recherche, scanner, recherche Q, multi. To start new location. Parfait. Donc, on va débloquer. Qu'est-ce qu'on va débloquer qui pourrait être intéressant? Toc-toc. Donc, les bâtiments, d'accord, qui bénéficient par personne. Ouh, il est pas mal l'université. Spin Project. Ah, spécialisation de la planète. Ça permet de spécialiser ou pas la planète? Ouais, on va faire ça, Astrofinance. On va y avoir un peu d'argent. Ensuite. Donc ça, c'est terminé. Ça. Nous avons découvert les stéroïdes Field IC4725. Ok, on gagne 50 sur le système. C'est où ça? Ah ouais, d'accord. Bon, j'en suis loin. Mais. Ouais. C'est-à-dire que Véran a un boost ou pas de ressources. Non. Tac-tac-tac. Sur quel système? Nos systèmes d'influence proches reçoivent le bonus. Ah ouais, si c'est dans notre système d'influence. On a un peu plus d'habitants. Et on va pouvoir faire du combat. Alors. Comment ça fonctionne? Bataille plan. Medium range, long range. Prudent. Alors, soit. On peut gérer ça. Alors, sélectionnons un plan de bataille. L'ennemi sera en évasif. Sur l'ennemi, non sniper. Ok. Donc, ça, c'est pour nous dire. Ok, long range, ça c'est pour nous dire tout on arrive.
où on va se situer pour les intercepter. Interlock. On va voir. You choose 100% des batailles. D'accord. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne la bataille. En étant évasif, on va voir. Allez, on va laisser charger ça et on va découvrir à quoi ressemblent les batailles aujourd'hui dans Endless Space. Donc déjà, on retrouve le système d'apparition des vaisseaux. Donc je suis beaucoup plus puissant, ce que je vois. Oula! Bon, c'est pas le maximum de ce qu'on peut attendre niveau graphique, hein. C'est pas le top du top, mais je peux me balader ou pas? Free caméra, oui. Voilà. Sous mes vaisseaux. Auto caméra. Je cherche où est l'ennemi. D'accord, ils sont là. On peut accélérer ou pas? Scan, ok. On s'approche tout doucement, on peut pas accélérer non. Ah si. Ah c'est bien d'avoir les détails. Bon, donc faut juste comprendre quel est l'intérêt de ces plans de bataille, si c'est un réel intérêt. Après, il est vrai que beaucoup d'éléments ne sont pas encore implantés totalement dans le jeu, et sûrement les plans de bataille n'ont pas encore été développés à fond. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de possibilités. Ok, on a gagné, super. On va pouvoir aller explorer. Bah déjà là, ce que je peux faire, on va faire ça. Non, pas ça. On va faire comme ça. Si on veut le dé. Voilà. Ça coûte 2 points d'exploration. Qu'est-ce que va me donner cette vie habitée? Ça est un échec. Super, je suis content. J'ai économisé pour rien. Bon, là, tu vas me le faire. Ça me donne des bonus, j'espère. Deuxième échec. Bravo. Je suis content d'avoir gardé tous ces points pour rien. Bon, par contre, toi, tu vas pouvoir venir ici. Et toi, tu vas pouvoir aller là. Et on va pouvoir aller coloniser par la suite le système qui est là. Là, faut que je pense à rejeter. Voilà. Allez. On l'assimile. Très bien. Et donc, c'est une nouvelle planète qui m'appartient. J'ai l'impression comment ça fonctionne. Si c'est ça. Bon, j'ai échoué, donc là, c'est pas grave. Et donc, j'ai assimilé une nouvelle planète qui est donc une tropicale. Outworld. Ouais, industrie. Donc, très, très gros bonus d'industrie. Et donc là, il me faut niveau 3 pour découvrir ici. Par contre, là, je vais pouvoir débloquer tout ça parce que c'est chez moi maintenant. Je peux faire des fermes. Ça peut être intéressant, ça, pour augmenter la production de nourriture. Il faut 6 tours, je vais le faire. On va faire ça. Ça, c'est un peu long, ça. Ça, plus. Non. On va faire comme ça. On va faire comme ça, ouais, c'est ça. Donc un nouveau système qui m'appartient et logiquement, sauf comme ils veulent pas m'acheter. Ah mais je n'ai même pas remarqué, mais ils sont partis. Donc là, si je veux, je peux coloniser sans problème l'atoll qui est ici, l'océan, des planètes. Là, j'ai plus du tout d'ennemis. Ils ont complètement disparu. J'avais même pas fait attention. J'avais même pas fait attention. Ils sont hostiles par contre. C'est pas grave. Mais ils sont plus là. C'est tout ce qui compte. Je suis un peu tranquille dans mon coin, je vais pouvoir m'agrandir. Et puis je pense que je vais garder vraiment cette zone pour moi. Et ensuite je vais essayer de coloniser des planètes dans cette zone et me les acheter et les revendre. Donc là on peut pas. Alors ce que je peux faire, c'est que toi, t'en as trois ici. Il y a des choses ou pas à explorer que j'ai pas fait. C'est fait, toi tu vas venir là et tu vas m'explorer pas mal de petits points. Et je vais m'arrêter là maintenant sur cette vidéo. Vous avez pu voir un peu à quoi ressemblait le système de combat, on a assimilé la faction. Donc logiquement au prochain tour, ceci c'est terminé, je vais gagner 150 de ressources.
qui vont permettre par la suite d'acheter, coloniser donc cette planète, cette grosse planète. Je me pose la question si, comme je peux vendre des planètes ou des systèmes, il faut que je regarde si c'est ça, si c'est les planètes ou les systèmes, parce qu'on pourra peut-être pas avoir une planète, deux planètes colonisées de deux factions différentes dans le même système. Ça peut me paraître un peu particulier. En tout cas, j'ai un petit stock de titanium. C'est sur cette planète, hein, je crois justement, qui a du titanium qui va être produit. C'est pas mal ça. C'est pauvre, mais j'aurai une petite production de titanium. Et je pense que sur Batten, j'ai prévu de me prendre l'atoll médium avec ou le large océan. Méga océanographie. Non, je peux pas. C'est dans les atolls que je peux. Allez. Je m'arrête là, j'arrête de parler comme d'habitude. Quand je suis lancé, j'arrête plus. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode de Endless Space 2, que vous avez apprécié cette petite découverte en let's play. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo découverte.